Bonjour à chacun de vous, que vous soyez déjà client ou futur client de la coach Jennifer, spécialisée dans les genoux fracassés. Alors moi, je témoigne en tant qu'ancienne cliente de ces séances de coaching. Des fois, je me dis que je ferais mieux de les reprendre. Je n'ai pas, disons, de gros problèmes de genoux, j'ai des genoux d'un certain âge, hein, qui ont de la peine. Par exemple, une chose que j'ai beaucoup de peine à faire, c'est me mettre à genoux. Vraiment, je n'arrive pas. Et j'ai des problèmes de mains, tunnel carpien, arthrose, des problèmes de dos, je me tiens voûtée, des problèmes de pied avec une inflammation du fascia plantaire très importante, une problématique du talon d'Achille. Enfin, vous l'aurez compris, la jeunesse est passée. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de mes séances de coaching avec Jennifer, qui se dit spécialiste de la réparation du genou? Je pense qu'elle est très restrictive en disant ça, parce que Jennifer, elle est vraiment spécialisée dans tous les problèmes articulaires. En tout cas, moi, je peux témoigner dans ce sens-là. Dans tous les exercices que nous avons faits, elle a toujours tenu compte de ma problématique pour me proposer des exercices spécifiques à ces problématiques, en étant très attentive de l'impact que ces exercices avaient sur mes douleurs. C'est-à-dire, si c'est une douleur juste passagère, ben, elle me laissait pas trop pierner, hein, et me lamenter. Si c'était une douleur qu'elle évaluait rapidement comme une douleur en réaction à un exercice inapproprié, alors j'ai à chaque fois été stupéfaite vraiment de sa capacité à trouver un nouvel exercice dans une autre position, de manière à ce que le travail du groupe musculaire ou tendon qu'elle voulait travailler soit possible sans que la douleur ne soit provoquée. Que ce soit au niveau des épaules, du pied, des genoux, enfin voilà, j'ai trouvé du dos également. Ce que j'ai beaucoup apprécié en dehors de cette grande capacité d'observation, d'écoute et de rectification de la ligne de tir qu'elle s'était fixée, ce que j'ai trouvé très fort chez Jennifer aussi, c'est l'alchimie qu'elle crée entre la respiration, la nature et le mouvement. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Même si des fois il pleuvait, j'avais pas trop envie d'aller marcher dans la boue. Mais jamais, au grand jamais, je ne suis rentrée d'une séance en me disant, mince, la prochaine fois, j'irai pas parce que vraiment, ça me plaît pas. Pas du tout. Au contraire, à chaque fois, j'en retirais un bénéfice avec des exercices vraiment très, très spécifiques, notamment au niveau de ma posture qui est catastrophique. Bref, je ne sais pas quelle est votre problématique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Vous ne sortirez jamais de chez elle pire que ce que vous y êtes entré. Et vraiment, je peux témoigner que ces exercices apportent un bénéfice extraordinaire. Ça n'a pas été toujours comme ça. J'ai eu fait des séances de sport où je me suis rendu compte sur la durée qu'en fait ces séances aggravaient ma problématique parce que les coachs n'étaient pas à l'écoute de mes limites. Hein, il fallait sans arrêt que je me dépasse, que je force. Ben, Jennifer, elle a une très bonne analyse des réactions du corps. Elle surveille tout en fait. Elle surveille la mimique, elle surveille les moindres gémissements, enfin bref. Et elle sait très bien les interpréter pour réorienter sa séance de manière adéquate pour chacun de nous. En tout cas, moi, pour moi, ça a été comme ça. Je vous souhaite une magnifique découverte de ces séances et faites-vous autant de bien que je m'en suis faite.